mon frérot, tu veux des crédits pas chers? Vas-y. Si vous êtes en réduction avec le code BOSS. Salut les gars. Salut tout le monde. Ça on va. Se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo alors, ça unboxing. Vient, ça vient de la FNAC, non? Non, on l'a pas du tout acheté à la FNAC, mais j'avais que ce sac pour la transporter. Ce n'est pas un placement de produit pour pas la FNAC. Placement de produit, ni pour... Attends, pas pour la FNAC, mais est-ce que c'est un placement de produit pour ceci? Non plus. Non, c'est vrai que c'est pas. Mais je voulais faire une petite surprise, tu vois. Voilà, Xbox One S, les gars. Xbox One S, avec une manette, donc une Gears of War 4. Voilà, c'est discount, on remercie beaucoup, mais il n'y a aucun partenariat, les gars, bien sûr. Non, c'est vrai. On ne remercie pas, finalement. Donc on va faire un unboxing, c'est une console que j'ai déjà ouverte, puisque j'ai déjà chez moi. Bien. Mais du coup, je trouve ça sympa de faire un unboxing pour vous présenter cette console. C'est bientôt Noël, les gars. J'ai une petite question. Beaucoup mieux que l'Xbox One normale. Petite question de notre acolyte qui filme. Le jeu sera gagné ou pas? Le jeu ne sera pas gagné parce que si tu veux, c'est le jeu pour notre console. Comme ça, on a deux consoles au local. Oui, on achète une deuxième console au local pour peut-être des clubs pro. Prochainement, une troisième. Voilà. Ça, on fera des clubs pro à trois. Voilà, les gars. Donc, on va unboxing tout ça. Pour l'instant, j'ai ramené le petit outil qui sert en cas d'unboxing tout le temps. On appelle ça un cutter. On rappelle, genre, quand j'ai fait les travaux dans mon resto avec ce cutter. C'est vrai? Ah oui, il vient de la maison. Oh, mais t'es vraiment trop nul, hein? La vie de moi. Mais frère, t'as pas besoin d'un cutter pour enlever du scotch? T'es ouf, toi. On va faire ça proprement aujourd'hui. Ah merde, j'en mets de partout du cul. Voilà. C'est un peu long, les gars. Ne vous inquiétez pas. On fera ça au montage. Alors, on a pris la console Xbox One S, 500 Go, les gars, avec FIFA. Donc, je sais pas si c'est FIFA dématérialisé. Toi, tu l'avais eu cette console dématérialisé? Faut le télécharger sur la console? Faut le télécharger sur la console. Ok. Oh, pas grave, 5 minutes. Ouais. Non, l'unboxing. J'ai mis un jour, moi. J'ai mis la console. Ouais. Elle est directement là. On va vous la présenter, ses avantages, ses inconvénients. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, on va la sortir. C'est quoi? On va la sortir à la zone. Ça marche. Unboxing, faites ça chez vous quand vous achetez la Xbox One, quand vous la recevez à Noël, à l'envers, ça passe super bien. Allez hop. Ah non, un fake FIFA matérialisé. Voilà. Donc ça c'est vraiment des enflures. Hein. On va vous montrer tout de suite la console, comme ça il n'y a pas de blabla. Elle est là, dans son emballage. Donc vous pouvez remarquer qu'elle est quand même beaucoup plus petite que l'ancienne. Okay. On va aller filmer l'ancienne d'ailleurs pour vous montrer. Access. Voilà les Xbox One S les gars, 500 Go. En blanche, elle est pas mal. J'y vais bien avec moi, juste qu'on compare vite fait. Hop. Voilà la Xbox One S, voilà la Xbox One. Vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus petite en hauteur, en largeur. Voilà, en place qu'elle prend, elle est beaucoup plus petite. Hop là, on la ramène là-bas. Plus tu peux leur préciser que du coup le bouton il est plus tactile. Le bouton est plus tactile. Donc en fait il n'y a pas de problème, des fois tu l'éteins sans faire exprès. C'est ça, ça m'est arrivé 2-3 fois ça en fissure. Qui arrive à tout le monde. Et exactement. Ouais. Du coup avec ceci, avec la console, bien sûr les câbles. Et c'est ça qui vraiment fait la différence. Là un câble HDMI normal avec la console. La manette aussi. Ouais. Ça. Pendant que ce temps-là, Faïz, il l'unboxing de la manette Gears of War. Si tu peux le filmer 2 secondes. Comment que moi je déballe la manette. L'unboxage. Puis j'envoie le cutter. Voilà. Ça, c'est la manette Xbox One S. Celle que j'ai chez moi. Franchement, elle est top. Et comparée aux autres Xbox de base, là, elle est un petit peu. Je sais pas comment dire, il y a une matière, ça grippe un petit peu, c'est bizarre, mais c'est énervé. Cette manette, elle est vraiment franchement énervée. Oh, on a la deuxième manette. Ils nous ont offert des piles, merci beaucoup. J'ai jamais vu des piles offertes. Si, si, il y en avait. Celle-ci, c'est la Gears of War, les gars. Celle-là, elle est classe. Ah, elle est pas mal. Tu vois? Celle-là, je vais la prendre pour chez moi. Ouais, c'est bon, lui, vas-y. Ah, elle est magnifique. Je veux tout prendre pour chez moi. Alors là, ils ont mis la même matière que pour la manette Xbox One, mais pas au même endroit. Ils l'ont mis ici, là. Ouais, c'est ma manette perse. Ils l'ont mis ici. Tu vas-y, pas de soucis. Elle, c'est la même. Bah, marquez les noms, vos noms dessus. Vas-y si tu veux. Bah au moins comme ça c'est un une qui est cassé, c'est le fautif c'est. Elle est magnifique. Non mais après tu sais. Magnifique. Donc maintenant on va passer au câble et c'est là le plus important les gars. Et je vous dis la vérité, c'est pour ça que j'ai acheté une Xbox One S à la base chez moi. Parce qu'en fait quand je veux la transporter, quand je la mets directement au local, je peux la brancher avec le nouveau câble. C'est le câble de la PlayStation en fait. Vous savez, c'est le tout petit câble, c'est celui-ci. Le voilà. C'est ce câble là. Alors qu'avant les gars, il y avait un gros bloc.
Franchement, jamais, j'avais jamais envie de la débrancher pour l'amener chez mes potes. Ah, ils ont changé ça donc. C'est ça le plus important dans la console, le tout petit câble, les gars. Comme ça, ce câble, tout le monde l'a chez lui, tout le monde est live play chez lui. Grave, tu vrai. Ramènes ta Xbox sans le câble, frère, on branche le HDMI et c'est terminé. Et ça, ça fait la différence. Donc voilà, le petit câble, et c'est sur ça qu'ils sont vraiment améliorés Xbox. C'est que voilà, c'est plus un gros câble qui ah, pour qui le transport, c'est cool. Donc voilà, les gars, on va faire une petite photo pour la fin. J'espère que ce unboxing vous a plu. C'est vraiment, si vous voulez une console. C'est celle-ci qu'il faut acheter à Noël. Bon, la Play aussi, les gars, mais je veux dire, la Xbox One, l'ancienne, oubliez-la. Franchement, elle est beaucoup mieux, celle-ci. Et rien que pour le câble. Moi, je suis un mec comme ça. On va mettre les deux manettes dessus, les gars. Magnifique le style. Je suis plutôt content de notre achat, les gars. La voici, la voilà. J'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. On vous en fera plus souvent de alors, attends, des trucs. Pour leur dire ce que ça nous a fait, je m'en rappelle. Alors, ça nous a fait 360 euros. T'es sûr? Pas ouais. 330 330. Il n'y avait pas de frais de... Bah, j'en sais rien. Pas de frais de livraison, donc c'était 329. Ma tête, je vais raconter une petite story sur moi, les gars. Sur chez Discount, j'ai acheté 1,50€, 3 cash pour des manettes. Sans faire exprès, ça m'a coûté 23€. Pourquoi? Parce que j'ai mis 20€ abonnement chez Discount pendant un an. Toutes les livraisons le lendemain gratuit. J'avais pas fait exprès. Et du coup, ben, quand on livrait le lendemain. Quand on doit faire des achats, les gars, on achète sur ces Discount maintenant, vu que j'ai acheté pour 20€ un truc qui me sert à pas à grand chose d'habitude, mais maintenant ça va me servir du coup. C'est un mal pour un bien, voilà la manette magnifique. Faut acheter beaucoup de choses hein, pour rentabiliser les 20€. Je pense 2, 3, 4 choses. Je pense 1 pour rentabiliser ouais, les 20€. Ouais, mais après c'est quand même assez rentable. Parce 3, 4 choses, vous êtes livré. Ouais, mais 3, après 4, t'es livré le lendemain. Voilà, t'es livré le lendemain et elle est gratuite. Après, on dirait qu'on est en train de faire la pub pour ces Discount. On arrête tout ça. Après, ouais, grave, franchement. On a rien à voir, y'a aucun partenariat. En tout cas, cette manette qui ressort quoi. Très belle manette et Microsoft, par contre, si vous voyez cette vidéo. On a fait de la pub pour votre produit. Ouais, pas. Pensez à nous, c'est Discount aussi. Hein. Ouais, pensez à nous aussi en vrai de vrai. Parce qu'on a payé 20 boules hein, pour le truc, hein, attention. Franchement, magnifique. Je suis content, moi je suis content. Voilà. Passez une bonne journée, la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci. N'oubliez pas le j'aime. C'est important de mettre des j'aime, beaucoup de j'aime pour qu'on soit en tendance. Tu imagines cette chaîne secondaire en tendance et regardez jusqu'à la fin les vidéos. D'après Ibra TV, il faut. Ouais, c'est le watch time. Vas-y, la famille. Le watch time. Oh là là. Allez, on se casse. Non, mais il a mis une montre. Allez, ciao la famille.